J'en ai oublié une. Allez, vole ma petite. Ça fait beaucoup là quand même. Non? Il y a déjà des étoiles putain dans le ciel. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour votre émission favorite. Nous sommes bien sûr les Mystery Box de Scrap Mécanique. Bah regardez-moi ça, j'en ai oublié une. Voilà, va rejoindre tes sœurs. Et oui les mecs, 3600 likes, 36 grand-mères. C'était pas bête ce que t'as dit. Mais combien va-t-on en lancer dans le prochain épisode? Mystère. Parlons bien, parlons peu, parlons chiffres. La dernière fois, il y a eu plus de 500 partages sur la vidéo de Scrap Mécanique. Sur la dernière vidéo des Mystery Box, j'en ai oublié une. Encore? Mais c'est pas possible. Allez, envole-toi. Et on va faire un truc. C'est que tous les 20 partages, les mecs. Oui, je dis bien tous les 20 partages. Et je l'annonce devant la France entière. Et il y aura une grand-mère en plus. Mais combien va-t-on en lancer? Sauf que les grand-mères qui partiront dans les cieux pour les partages des vidéos, ce sera celle à Stas. Mon Dieu, mais quelle horreur! Blasphème! Sacre! Ça mériterait le châtiment! Elle tient même pas debout, mon vieux! Ouh, la mauvaise langue que je suis. Ouh, mille excuses. Mauvaise langue, elle tient debout. Allez, vole, grand-mère de volante! Pourquoi elle fait des saltos, la tienne? Je comprends pas. Ah ouais, elle est assez violente quand même. La mienne, regarde, elle fait pas des saltos. Elle part avec grâce. Elle est pleine d'élégance. Ça, c'est une grand-mère volante, mon vieux. On va se mettre là. Non, parce qu'en fait, je vous explique. Je me suis dit que vous allez être une petite dizaine, peut-être une petite vingtaine tout au plus à participer. Mais il se trouve qu'il y a eu une petite cinquantaine, une grande cinquantaine de Mystery Box. Donc, vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir ouvrir les 50 dans cette vidéo. En tout cas, je vous ai tous et toutes téléchargés. Si vous avez mis les bons mots-clés. Eh bien, écoutez, on commence tout de suite avec celle de... Zboy Track. Je vais pas y arriver. Zboy Crack. Il était très dur à dire ton pseudo. Comme d'hab, bien sûr, si vous cherchez Scrap Mécanique, rendez-vous dans la description. Le petit lien G2A avec le petit code Jolat. Vos jeux moins chers. Salut Jolat, je t'ai préparé cette petite Mystery Box. Cela va faire longtemps que je voulais en faire une. Depuis que j'ai le jeu, mais j'avais la flemme. Mais j'ai fini par en faire une et j'espère qu'elle va te plaire. Sinon, je te laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir. C'est un très bon abonné. On l'a construit. Simple, efficace, violette, pimpante, chatoyante, lagante. Très lagante. C'est pas mes grands-mères, hein. Faut pas tout leur mettre sur le dos, hein, parce que si je la pose, ça va tout de suite mieux, hein. Tiens, elles sont... Il y en a pas mal là-haut, hein. Ça danse, ça virevolte, c'est... Voilà. Peut-être on va en voir une passer comme ça. Mon Dieu, mais qu'elle est énorme! Très soft, très simple, ma foi certainement très efficace. Écoutez, attention, on l'ouvre! Ah bah ok. Comprends mieux pourquoi ça lag. Eh ben, mon cochon. Ah, t'as pas fait semblant, hein. Oh, il est magnifique. Attention, je l'enlève. Ah, ben, mon vieux. Mon PC, il respire, là. Alors, je fais un petit peu le tour de la boîte. Très joli canari, ça me plaît. Voyons voir. Quels sont ces deux véhicules des enfers? Très intriguant. Très, très intriguant. Écoutez, ma foi, il a l'air vachement très stylé. On va monter dedans. Énorme. Ah ouais, mon vieux, il a carrément un réacteur au cul et tout. Il peut voler? Je doute que oui. Oh là 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 là. Oh là là. Je pense que ça peut devenir mon nouveau vaisseau. Y a pas une grand-mère là-bas au milieu du lac qui essaye de nager, non? J'en ai perdu l'autre véhicule, tiens. Ah bah, il est là-bas. Écoute, il est très joli, il est très frais, il est très pimpant, ma foi, en référence à la chaîne. J'adore, de toute beauté. Pourquoi vous me faites toujours des véhicules un peu roses, un peu pimpants? C'est bizarre, celui-là, il s'est déplacé tout seul, non? Il a tendance à bouger tout seul, ton machin, j'ai pas rêvé. Regardez-le, il a hanté le bordel. Je vois, ah ouais, 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 très maniable. Mon Dieu, que c'est beau. Oh, j'ai cru voir une grand-mère. C'est pas que j'ai... Il y en a une en bas, les mecs. Regardez, regardez-la, elle traverse la map. Elle traverse l'océan, là. On la voit pas de trop. Oh putain. Et moi, je suis arrivé en haut, mon vieux. Je crois qu'il y en a une qui est en train de nager, là. Alors, soit elle nage, soit elle est en train de se noyer. Je dirais plus qu'elle est en train de se noyer. Regardez, elle est... Mais regardez ça! C'est la grand-mère 2.0, mon vieux! Mais elle est coincée! Mais quand je te dis que ça va pas, ton affaire! Allez, vas-y, envole-toi. Voilà, c'est bon, elle est repartie, les mecs. Hein, vous inquiétez pas. Oh, mais regardez ça, il y en a qui nagent dans le fond de l'océan, là. Alors, certes, et il y en a quelques-unes des miennes qui sont restées coincées aussi. Mais moi, c'est normal. C'est parce qu'elles sont en plein rituel, là. Vas-y, décolle! Voilà, décolle, ça y est, c'est bon! C'est bon, c'est bon, elle est repartie, les mecs. C'est bon, elle est repartie. Par contre, la tienne, la 2.0, je t'assure qu'elle bouge pas. Et la prochaine de Dylan51, salut Jolat. Pour démarrer le véhicule, retire les blocs jaune et noir, appuie sur le bouton à l'arrière à droite du véhicule. Ensuite, entre dans le siège conducteur. Ensuite, appuie sur le bouton 3, puis le bouton 1 et laisse-toi transporter. Rien que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? Oh,
Mon Dieu Seigneur. Allez mec, doucement sur les packaging. Je te préviens Dylan, si jamais tu m'as construit une cacahuète à l'intérieur, impossible de toute façon. Attendez, ça a l'air vachement très stylé. Ok. Non, ce serait pas un truc Jurassic Park genre que t'as fait ou quoi? J'ai l'impression qu'on s'en va faire un safari là. Attends, c'est énorme si t'as fait un truc comme ça. Énorme. Je suis vraiment épaté par la créativité que vous avez, c'est un truc de fou. À chaque fois je me dis ouais, au niveau des mystery box, j'en ai déjà vu plein, je vois pas ce qui va m'épater encore plus. Et à chaque fois vous arrivez à m'épater. Ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Attends, je crois qu'il a fait la musique de Jurassic Park. Mais non. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est terrible. Putain, mais vous avez des idées, les mecs. Ça, c'est... Franchement, c'est très, très fort, ce que t'as fait là. Va-t-on avoir une surprise arrivée à la fin? C'est vraiment super bien fait, vraiment. Attendez, parce que je vois un interrupteur là-bas. Alors forcément, c'est la Guiland. Ça lag un peu. Oh, c'est la sortie ici. Quoique pas plus que les vaisseaux de Subnautica que GS m'a fait. Oui, oui, vous me l'avez dit dans les commentaires, je croyais que c'était Goldorak, mais absolument pas. C'était les vaisseaux de Subnautica. Et franchement, encore une fois, GG à toi. Et bien sûr, GG à Dylan, franchement, pff, elle est énorme ta box, mon gars. Par contre, comment ça fait du bien à mon PC quand je la repose? Alors là, t'aurais reproduit la musique de Jurassic Park avec ça, on était totalement dans le thème. Ouh, on a une boîte de la VLR. Salut mon cochonou, voici ma création, un pur chef-d'œuvre de conneries, j'ai été très créatif. Donc je pense que tu vas bien l'aimer. J'ai respecté les traditions également. Une fois la boîte ouverte, enlève les blocs rayés jaune et noir, puis sors la construction dehors manuellement. J'ai fait la décoration interne de la boîte avant d'y mettre le véhicule. J'espère que ce concentré de bêtises va te plaire. Bonne découverte. PS, j'étais très créatif sur l'ouverture de la boîte. Regarde bien l'ouverture des portes de la boîte avant d'entrer. Des bisous, signé La Vénère. Se prononce La Veine Vénère. Ok, d'accord. On va faire le tour un petit peu de la boîte sans la poser. Elle est pas très grande, mais c'est souvent dans les petites boîtes qu'on trouve des belles surprises. Bah, même dans les grandes, tu me diras. Ok, d'accord. Très bien. Un canari juste ici. On va appuyer dessus. Attention, regarde! Magnifique, magnifique. Eh, franchement, joli, joli, très joli, la Vénère. La Veine Vénère. Je t'appellerai la Vénère. Alors déjà, on va enlever le véhicule. Oh là, mon cochon. Oh là, mon cochon, mon cochon, mon cochon. Ouh, que ça lag quand t'enlèves le véhicule. Donc, bien sûr, les petits canaris et tout. Très rose, très pimpant. Il y a du rose partout à chaque fois, les mecs. Hein. Je sais pas ce que vous avez avec le rose. Après, certainement, moi qui vous ai mis ça dans la tête. Pourquoi? Je ne sais guère. Très sympa, la déco de la boîte, la Vénère. Très, très sympa. Et on va voir un petit peu ce que donne ce véhicule des enfers. Il m'a l'air, ma foi, très propre. Effectivement, il y a de la recherche, là. Mon Dieu, il est super joli avec ses petits yeux de devant et tout, mais... Il est super mignon. Hein? C'est quoi? Oh, pff, terrible. Lance-patate. Le 4. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh, le cochon. Il est terrible, ce véhicule. Ah, tu t'es vénère, là. J'aurais pas pensé que ça aurait roulé un truc comme ça. Oh là là. Eh, hey, le coup des foreuses qui sortent, le coup du petit canon à canari. Je chiale devant tant de beauté artistique, quoi. Merci pour ta participation, la Veine Vénère. ToWixY62 nous en a fait une aussi. Salut, Jolate. Dans cette mystery box, tu trouveras trois véhicules nommés sur la boîte. Bien sûr, ils sont tous les trois reliés par des blocs noirs et jaunes que tu devras enlever. Ça pourrait peut-être lag un chouïa. Un chouïa, si c'est qu'un chouïa, ça va. Mais le contenu en vaut la peine d'être découvert. Et t'inquiète, il y a zéro mode. Bonne ouverture, PS. J'ai tout fait moi-même. Bah, j'espère bien quand même que quand vous me construisez une mystery box, ça vient de vous. Ce serait cool. Voiture, abonnement, point d'interrogation, G2A, très bon abonné. Camion, bateau, pouce bleu, je hâte. Avec un petit cœur, ça fait tellement plaisir. Moi aussi, franchement, je vous envoie des cœurs, les mecs. Ah, un chouïa, un chouïa, un chouïa, mon cochon. Un beau chouïa, hein. Un sacré chouïa quand même, hein. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, pour pas que ça lag, pour que ça évite de laguer, il faudrait souder la boîte au sol. Ok. Penses-tu, mon gars? Ça lag toujours, hein. Ça lag toujours pareil, hein. En tout cas, pas grave, on l'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Qu'est-ce que c'est, quoi? Je peux même pas aller chercher ton véhicule. J'imagine que ça doit être le bateau. Ça doit être sûr, en fait. Ok, parfait, il y a un autre interrupteur. Oh, mais c'est terrible. Des petites toilettes, j'adore, je valide. Elevator, donc ça doit être pour aller au-dessus. On monte.
Oh là 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 là. Eh, là aussi, par contre, là, il y a de la créativité. Hein. Je me répète franchement, mais à chaque fois, je me dis que j'en ai vu beaucoup. Et c'est vrai, j'en ai vu beaucoup. Mais comme quoi que... Bah, vous arrivez toujours à me surprendre. Et c'est un truc de ouf. On fait le tour de la boîte, à voir s'il n'y a pas un autre interrupteur ou quoi. Donc, il y avait quoi? Il y avait une voiture, un camion et un bateau. C'est énorme ce que t'as fait. Voilà. Oh putain, mon gars. Oh la vache. Satan! Tu sais quoi, franchement, je vais commencer par test le petit buggy. Mon cochon, elle part en I, hein, ta truc là. Hein. En I, en Y, je sais pas trop. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle part. Hein. C'est limite si on dirait pas qu'elle plane des fois. Putain, elle est amphibie, mon gars. Mais elle est géniale. Tellement de maniabilité là-dedans. Tellement de grâce. Pas autant que mes grands-mères volantes, mais quand même. Mais il y a un véhicule là-bas. Qui s'y fout là-bas, lui? Ah, bah c'est le cochon à Scrackboy, je crois. Non? Le bateau, fais voir ça. Alors là, s'il flotte, c'est énorme. Il roule, il flotte, il. Attendez, je crois qu'il peut voler aussi, je pense. Hein. Là, s'il vole, je peux te dire c'est la totale. Hein. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la crème sur le macaron, mon gars. Je pense pas, hein. Mais j'ai cru voir des réacteurs en dessous. C'est même sûr, mais c'est peut-être pour une meilleure flottaison. Oh là là. Ouais. Manquerait une marche arrière tout de même. Parce que là, je suis bloqué. Il est vraiment génial, ce bateau. Alors là, je vous le dis, les mecs, j'annonce. Le prochain qui me fait une mystery box, base roulante, flottante, volante, amphibie, tout ce que tu veux, avec toilette, chambre, 5 étoiles et tout le bordel. J'attends. J'attends. Je l'ai annoncé devant la France entière, les mecs. Hein. Voilà. Même moi, j'ai pas fini ce projet. Voilà. Peut-être bien qu'il y a quelqu'un qui va le finir avant moi, tu vois. Et ce camion, dis-moi, il m'a l'air vachement gros. Il est énorme. Excellent, c'est genre une ambulance. Non, c'est un camping-car. Hein. Je crois que c'est un camping-car. C'est super. Il est magnifique. C'est maniable. Oh mon cochon, les suspensions. Oh mon cochon, les suspensions. Si j'appuie sur le 1, ça fait quoi? D'accord, ça ouvre le camping-car derrière. Le 2, c'est la radio. Terrible. De toute façon, les 3 véhicules étaient géniaux. Géniaux. Oh putain, planquez-vous les mecs. Il y a SOD qui a construit une nouvelle box. Merde. Là, oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, mon gars. Voilà une version plus petite que la première ouverture. Sympa, plus petit véhicule de combat. Mystery Box. Un bouton ouverture-fermeture pour le véhicule. Enlève les blocs noirs et jaunes. Quand tu rentres dans le véhicule, appuie sur le bouton vert à l'entrée. Bouton 1, porte. Bouton 2, propulseur. Bouton 3, ouverture, canon latéral. Plus bouton 4, feu à volonté. Bouton 5, ouverture, canon avant. Plus bouton 6, feu à volonté. PS, désolé pour la première Mystery Box. Je pensais pas que tu allais laguer autant. Et pour info, mon pseudo se prononce comme la série Soda. Ah, mais sans le A. Ah. Et pour finir sur une touche positive. Continue comme ça, tu es super. Et ben merci beaucoup SOD. Je continuerai à t'appeler SOD. C'est pas mal, j'aime bien moi. Putain les mecs, planquez-vous, attention. Je la pose. Ça lag pas hein. C'est plutôt joli, c'est frais. Ouais, une petite appréhension avant de l'ouvrir. On fait le tour quand même, voilà, très simple, très soft, très basique. Attention, je l'ouvre les mecs. Oh, très propre l'ouverture. On va prendre ça. Oh mon Dieu Seigneur, quel véhicule lagant. On va tout de suite se débarrasser de cette box de Satan, mon vieux. Pas des rétros, Lucifer. Ok. Oh le cochon. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? Ok, je ferme la porte. Déjà, ça roule. Il y a des réacteurs à l'intérieur. J'appuie sur la touche 2. C'est les réacteurs, très sympa. Touche 3. Magnifique. Touche 4. Terrible, terrible. Touche 5. Attends, stop. Touche 5. Oh. Putain, non, mais c'est un véhicule de combat, mon gars. Touche 6. Et ça tire. Mais c'est terrible, mon gars. Retourne de là où tu viens, Satan. Eh ben mon vieux, pas mis la dose sur les explosifs, hein, mon cochon. Hein. T'as été radin sur les explosions. Je pensais que ça allait partir en miettes, mais pas tant que ça en fait. Très sympa SOD, pas trop de lag, franchement, c'est... Voilà, c'est frais, c'est... Merci pour mon PC. Ah, voilà une belle box de limono. Salut Jolate, j'adore tes vidéos scrap mécanique et je t'ai fait un véhicule qui va dans l'eau. Ce véhicule est le plus gros projet que j'ai fait, j'espère qu'il te plaira. Et aussi une grosse surprise. Sinon, continue tes vidéos, elles sont incroyables. Et ça fait super plaisir. On va tout de suite la construire. Oula, déjà ça annonce la couleur, il a pas eu la place. Ah mon cochon. Alors attendez, on fait le tour. Déjà, ah voilà, je me disais, je trouvais pas l'interrupteur. On ouvre. Oh,
Très sympa. Super. Il n'y a pas mieux pour faire laguer ma partie, Limolo. Allez, parti en miettes, mon gars. Non. T'as abusé, gros. J'espère que tu es fier de toi. Allez, salut, Limolo. Magnifique. Magnifique. Terrible. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, et ben ça restera comme ça, mon gars. C'est bizarre, je vois pas beaucoup de grand-mères volantes. J'en vois une là-haut. Il y en a quand même 36. Hein. 37 avec la grand-mère volante 2.0. Celle qui fait des saltos. Mais à mon avis, elle doit être bloquée dans l'eau, celle-ci. Hein. Ok, très bien. La suivante de la scène. Salut, Jolate. Voici ma mystery box. Je l'ai construite en live. Du coup, c'était marrant. Alors, quelques petites instructions pour contrôler la bête. 1 et 2 portes latérales gauche et droite. 3 coffres. 4 systèmes de stabilisation pour ne pas se retourner lorsque l'on roule. Ne marche pas avec les réacteurs activés. 5 petits bonus de vitesse pour pouvoir profiter. Attention, lorsque le bouton est activé, impossible de la contrôler. PS, j'adore tes vidéos. Ça fait un bail que je te suis, genre depuis 5 ans. Oui, ça fait beaucoup, mais un plaisir toujours de regarder tes vidéos. Chaîne Hassan et Dr. Ellie, Twitch, Hasseni, YT. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Hassan. Alors, Mystery Box construite en live sur la chaîne de Hassan. Et écoutez, ma foi, franchement, elle est très sobre, très belle, très jolie. Je la pose, pas de lag. Je l'ouvre, les mecs. Beauté, oui. Attendez, on va la sortir. Oh là là, magnifique. J'adore la décoration. Très belle décoration, Hassan. Alors, 1 et 2, donc, c'est les deux portes latérales. Eh, franchement, il est limite stylé comme ça. Quoique, ça fait plus futuriste, je pense, fermé. Ah ouais, c'est un peu plus stylé. Putain, t'as mis des moteurs électriques là-dedans. Ça fait pas de bruit. Oh, ok. 4. Oh, ok. Donc ça, c'est pour pas se casser la gueule. 5. C'est les réacteurs. Ah ouais, 5, il m'a dit, elle est incontrôlable. Putain, mon gars. Vers l'infini et l'au-delà. Ah oui, effectivement. Attends. On va couper... Non. 5, c'est incontrôlable. Non, franchement, très sympa, la scène. Très sympa. Et franchement, elle est ultra stylée, mon gars. Allez, un petit coup de 5, c'est pour le kiff, mais... C'est juste pour prendre le dodan. Ah putain, mon vieux. Ah, ça, c'est un bon abonné. Il a pas lésiné sur les réacteurs, mon gars. Et bah voilà, Hassan. En plus, elle est amphibie. Que demander de mieux, mon vieux? Regarde ça. Elle fait sous-marin et tout, la totale, mon vieux. Sous-marin, avion de chasse, bécane de crosse, tout ce que tu veux. La totale. Ouh, j'en tremble déjà, rien qu'à ce pseudo. Le chevalier noir nous a fait une mystery box. Salut, Jolate. Petit lien G2A. Bouton 1, gauche. Bouton 2, droite. Bouton 3, envole-toi. Bouton 4, ferme la porte. Salut. Putain, à limite, t'aurais pu me mettre une gifle à la fin de ta description, mon vieux. Simple, efficace, rapide, clair, net, précis. Pas de chichi, y a pas de blabla. Voilà, c'est tout, mon vieux. PS, tiens, une calotte. Pef, mon gars. J'ai eu l'impression de me prendre une claque, mon vieux, en lisant la description. Ah la vache. Mais tu vois, ça, c'est des box qu'on aime. Si on avait que des comme ça à présenter, il y en aurait 50 par vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. G2A. Allez, salut, au revoir. Ciao, bye bye. Et ben voilà, mon gars. Alors, voilà. Ok, regardez, c'est... Elle est magnifique. Voyez, c'est très simple. Pourquoi toujours chipoter, mon vieux? Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, les mecs. Et ben voilà, mon gars, il est... Oh, hey, ouh. Ouh là là. Ouh, ça c'est un bonhomme Roblox. Ça c'est un bonhomme Roblox, mon cochon. Pitié de bout, celui-là. Tu peux y aller, hein. Mais il est génial. Je vais me mettre là, ici. Voilà. Attention. Et ben c'est parti. Ah, mais il y avait déjà un siège à l'intérieur, en fait. D'accord, ok. Bon, d'accord. Vraiment, je suis ému. Eh les mecs, c'est contrôlable, hein. C'est moi qui le contrôle, hein, clairement, hein. Regardez, je peux même ouvrir la porte si je veux en plein vol. Je la referme. Bouton 1, vol. Bouton 2, tourne. Bouton droite. Allez, salut, bye bye. On va le laisser voler, franchement. Je pense qu'il mérite sa place avec les autres, tu vois. Il mérite sa place, vraiment. J'ai pris une gifle. Elle est énorme, c'est... Vraiment, change rien, le chevalier noir. C'est génial. Ah, ben voilà, une nouvelle mystery box de Overlighting Wolf. Salut, Jolate. J'espère que tu vas ouvrir ma box en vidéo. Ça me ferait super plaisir. Mon Dieu, ton pseudo, il est plus difficile à lire que la description. C'est un truc de ouf. Overlighting Wolf. Non, ça va, en fait. Overlighting Wolf. Bien sûr que je vais l'ouvrir en vidéo, Overlighting. Ça me fait super plaisir. Merci pour ta participation. Mais elle est magnifique. On va l'ouvrir. Attention, je l'ouvre, les mecs. MDR, tu m'auras pas comme ça. Je m'en fous, je reste accroché dessus. Je vais trop... Hein? Oh l'enfoiré.
L'enfoiré, c'était un feu d'artifice. Elle est où la construction Roblox là? Ça doit être celle-là là-bas qui tournoie, non? Non, ça doit être une grand-mère. Magnifique. Vraiment, que dire? Mais écoute, elle est géniale, Overlighting Wolf, ta boîte! Elle est géniale! J'ai présenté quelques-unes des Mystery Box que vous m'avez envoyées. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas passé dans la vidéo. Regardez, je vous laisse voir ce qu'il y a dans mon lift de toute façon. Il y a toutes les Mystery Box que vous m'avez envoyées. Donc, vous allez tous et toutes passer dans les vidéos. Il va juste falloir me laisser un petit peu de temps pour pouvoir tous les présenter. Parce que bah, j'en ai une petite cinquantaine quand même. Donc, ça fait beaucoup. Sachant qu'il y en a quelques-uns qui m'en ont fait plusieurs, comme la Vénère. Il y a encore la Vénère. Il y a encore la Vénère. Il y a Moquette. Il y a Néo. Bref, je vais pas spoiler toutes les boîtes. Voilà, là, vous en avez vu quelques-unes. Encore une fois, merci de votre fidélité pour les vidéos sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas le petit soutien, le petit like, le petit partage. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.